Dans cette série de vidéos, je vais présenter les 7 qualités qui pour moi sont importantes à acquérir et à cultiver en tant que violoniste, et pas seulement. J'ai décidé de faire une vidéo par qualité, et chacune des vidéos présentera un violoniste en particulier qui pour moi incarne particulièrement bien la qualité en question. Nous allons donc étudier 7 violonistes différents, sachant que chacun d'eux a probablement ses 7 qualités, mais disons que c'est plus flagrant chez certains. Ensuite, on va essayer de comprendre d'où vient chaque qualité et ce que nous pouvons faire pour nous aussi les incorporer. Nous commençons donc par la première qualité qui est un jeu stable et posé. En tant qu'audience, nous ressentons ce que l'interprète ressent. Un violoniste mal à l'aise et hésitant va nous transmettre son inconfort et nous déstabiliser émotionnellement et physiquement. La sonorité, bien qu'invisible, est palpable et nous fait ressentir ce que l'interprète ressent. Ainsi, un violoniste stable et posé nous rend confiant. Pour moi, le violoniste qui incarne le mieux cette stabilité et ce jeu posé, c'est Shlomo Mintz. D'où vient son incroyable confort? Avec lui, on a l'impression que tout est posé, tout est empilé. Il émane de lui une grande stabilité, une grande sérénité. Tout est stable sans jamais être rigide. J'adore le voir jouer parce que j'ai vraiment l'impression qu'il habite son phrasé et qu'il savoure chacune des notes. Mais comment nous aussi y arriver? Pour mettre notre audience à l'aise en tant qu'interprète, il y a deux choses qui sont déterminantes et qui sont très flagrantes chez Shlomo Mintz. C'est le fait tout d'abord de trouver la détente musculaire. Les tensions musculaires raccourcissent nos muscles, qui sont donc moins rapides et moins efficaces et moins précis. Pour trouver ce son posé, il est important de sentir que notre bras droit repose sur la corde, il n'est pas suspendu. Un grain sonore qu'on n'aurait jamais si on est trop suspendu. Parce que de près, ça s'entendra un petit peu, ce grain. Mais de loin, à quelques mètres, on l'entendra plus, ça donnera un son assez pur, ce qui ne sera pas le cas si on joue. De près, ça sonnera bien. Mais de loin, ça ne sonnera pas, en fait. Il n'y aura pas cette substance, il n'y aura pas suffisamment de matière pour projeter au loin. Et plus posé quand on démanche. Après, si on n'a pas envie d'entendre le démancher, on peut le faire différemment. Mais de toute façon, le doigt il est posé et il garde le contact avec la touche, le doigt qui guide le démancher. Donc ça, on a toujours ce côté posé et serein. On n'est jamais suspendu. Sinon, le son devient très fluet et notre comportement est beaucoup plus instable sur des œufs. Et ça, ça met tout le monde mal à l'aise. Donc on veut être vraiment posé, déjà pour notre confort personnel, pour notre plaisir. Et pour varier les nuances, il suffira de varier l'équilibre du bras. Donc si on veut jouer fort, on est plutôt vers le bas. Et pour jouer piano, on sera un petit peu plus vers le haut. Donc on est toujours en train de changer notre équilibre de bras pour justement faire ces nuances. On n'est pas en train de presser parce que sinon ça va faire un son laid qui sera complètement étriqué et finalement il ne projettera pas. Donc on est juste en train de varier notre équilibre de bras, un peu comme un funambule qui réussit à équilibrer son corps pour ne pas tomber. Nous c'est pareil, notre bras il est vraiment sur un fil, hein, qui est une corde. C'est à nous de trouver l'équilibre. Mais comment réussir à avoir le poids en l'air sans être suspendu? Première chose déjà, c'est de garder nos épaules vers le bas. Donc même si on est léger, on est posé quand même, toujours posé, parce que sinon on perd l'équilibre. Ça repose seulement sur un point qui est le point de contact. Et ce qui va nous aider justement à stabiliser tout ça, ça va être la main, la posture de la main et surtout le fait de garder l'archet bien libre dans notre main, l'archet qui vibre. On sent que l'archet vibre. On le sent dans la main, c'est une microscopique vibration. Alors si on a la grippe, d'un coup le son est beaucoup plus constipé et l'archet ne vibre plus, on l'empêche de vibrer, donc on fera même plus la différence entre un archet de qualité et un archet bas de gamme. J'en parlais dans ma lettre du mercredi dernier, donc sur les différents archets. D'ailleurs si vous voulez accéder vous aussi à ces lettres, c'est le premier lien dans la description. Et pour en revenir à la tenue d'archet, c'est vraiment important de garder l'impression que l'archet est lui qui entraîne notre bras plutôt que notre bras qui entraîne l'archet. C'est pas vrai, mais c'est une façon de voir les choses qui va bien libérer cet élan. Je m'en souviens encore quand j'étais étudiant à New York, je préparais mon récital de fin d'année et je réussissais pas
à trouver ma sérénité. Et j'avais eu beau avoir travaillé énormément ce programme, qui était assez ambitieux et assez long, je réussissais pas à trouver mon confort. Et en faisant une promenade dans le jardin, j'ai vu un pétale qui tombait et qui se laissait descendre par le vent. Et j'ai pris conscience de ce côté où il avait aucune résistance et pourtant il planait. Il n'était pas en train de boum, il faisait rien du tout, il était juste posé et l'air faisait son travail. J'ai vraiment pris conscience que c'était un peu la même chose. Notre bras est quand même vraiment posé, on n'est pas en train de forcer ni vers le bas, ni de retenir, on n'est pas en train de résister, mais on est vraiment posé, on se laisse aller, comme le pétale qui se laisse aller par le vent. Il n'est pas en train de diriger sa descente, qui était magnifique. Et c'est pareil pour nous, on est vraiment posé. On n'est pas en train d'essayer de tout contrôler, finalement. On se rend compte à quel point on ne contrôle pas tout. Et j'étais tellement à m'épuiser à contrôler tout, que je m'empêchais en fait d'être moi-même. Et j'ai complètement changé d'état d'esprit. J'étais à une semaine du récital. Donc, et d'un coup, je me suis mis à prendre beaucoup de recul et à trouver ce confort plus qu'à chercher la performance. Finalement, j'étais focalisé sur les milliers d'arbres au lieu de focaliser sur la forêt. Et c'est ça qui m'empêchait de réussir à trouver cette fluidité, ce confort, cette sonorité. En fait, tout est lié. Et là, d'un coup, tout s'est progressivement mis en place. Il y avait une fluidité et une espèce de sérénité et surtout une respiration qu'il n'y avait pas avant. J'étais plus en train d'essayer de performer, mais juste d'être dans l'instant présent. Et d'un coup, j'étais dans le plaisir et dans la détente. Et d'un coup, j'avais une respiration qui se créait naturellement. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est de prendre l'habitude de respirer en jouant. La détente, évidemment, va nous le permettre, mais également au début, d'en avoir conscience. Et quand on pousse, finalement, on inspire. Et quand on tire, on expire. Et donc, ça devient un processus de respiration naturelle. Connecté à notre archer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter l'archer avant de changer de sens pour sentir qu'on transitionne entre l'inspiration et l'expiration. Ensuite, on arrête. On veut sentir que c'est connecté. Et on respire par le nez surtout, parce que c'est une cavité qui est plus petite que la bouche, donc la respiration se fait plus lentement, donc ça irrigue mieux nos muscles, ce qui leur permet de se détendre. Donc finalement, tout est connecté. La détente de nos muscles permet la respiration permet la détente de nos muscles. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'une autre qualité tout aussi importante, avec un autre violoniste. Voici la deuxième vidéo des 7 qualités du violoniste. La première vidéo abordait un jeu stable et posé, et ici, nous allons parler d'un autre critère tout aussi déterminant. Et on va ensuite essayer de comprendre d'où vient cette qualité et comment est-ce qu'on peut l'incorporer. Ainsi, pour moi, la deuxième qualité essentielle à obtenir pour tout violoniste, c'est la fluidité. L'inertie du phrasé et l'élan sont vitaux pour un jeu captivant. Un jeu constipé et un phrasé saccadé sont frustrants à écouter, que ce soit pour l'interprète ou pour l'audience. En tant qu'audience, on veut savoir où l'interprète nous emmène avant de le suivre. Et si l'interprète a l'impression de ne pas trop savoir où il va, c'est toute notre confiance qui s'effondre. Et on n'a plus vraiment envie de le suivre. Et donc on se met à penser à autre chose et à ne plus vraiment l'écouter. Par contre, si on se sent entre de bonnes mains, notre intérêt restera vif et notre écoute attentive. Pour moi, le violoniste qui incarne le mieux ce jeu fluide et ininterrompu, c'est Isaac Perlman. Son incroyable élan. Avec lui, on a l'impression que la musique coule, comme une rivière, qu'un barrage peut détourner mais ne peut pas arrêter. Ce qui me plaît chez Perlman, c'est son incroyable inertie. Son phrasé toujours en mouvement, malgré son corps immobile. Et c'est le contraste entre cet élan et cette inertie que je trouve très séduisante chez lui. Car beaucoup de musiciens font exactement le contraire, ils s'agitent beaucoup physiquement, et musicalement c'est très plat. Avec Perlman, c'est l'élégance et l'efficacité. Mais comment y arriver? Pour mettre notre audience à l'aise en tant qu'interprète, il y a deux éléments déterminants, et qui semblent flagrants chez Perlman. Tout d'abord, il a poussé le minimalisme de ses gestes à un sommet jamais atteint avant. Alors oui, atteint de la polio, il a perdu l'usage de ses jambes dès ses 5 ans, ce qui contribue probablement à son immobilisme. Mais même si on a la chance d'avoir nos deux jambes, on devrait réduire nos gestes pour gagner en efficacité et en fluidité.
Car c'est certain, moins c'est mieux. L'un de mes professeurs avait eu la chance de jouer avec Isaac Perlman. Ce professeur avait tendance à beaucoup bouger pour vraiment avoir l'impression de s'impliquer parce qu'il voulait vraiment faire bien. Et Perlman lui avait dit « joue moins ». Et mon professeur avait été un peu vexé et donc c'était un peu renfermé, immobilisé. Et au bout de quelques minutes, Perlman lui a dit « ah, tu vois, ça marche ». Il s'était rendu compte en effet qu'il en faisait trop physiquement et que ça gaspillait, ça dilapidait son énergie. Et en quelques minutes, il avait compris que justement ce minimalisme de ses gestes permettait un focus beaucoup plus important de ses intentions musicales et de sa technique. D'un coup, tout devenait beaucoup plus facile. Et il racontait cette anecdote à tous ses élèves, peut-être pour ne pas l'oublier lui-même. Car c'est vraiment essentiel de réussir à ne pas vouloir trop en faire physiquement pour justement en faire davantage. Comme on disait, moins c'est mieux. La deuxième chose pour gagner en fluidité, c'est de viser la dernière note de chaque phrase. Au début, pour s'assurer qu'elle soit bien claire, on peut entourer chaque note de fin de phrase. Et ensuite, on ressent que chaque note est attirée vers cette note qui est comme une note aimantée, qui attire toutes les notes vers elle. Donc ça crée beaucoup d'élan, cette force magnétique, où toutes les notes de la phrase se dirigent vers cette note finale. Donc malgré les silences, on continue à avoir cette attraction. On a des soupirs, on s'arrête de jouer, mais malgré tout, on sent cette attraction, on sent cet élan qui continue à se créer. Et là, on est arrivé. Une nouvelle phrase. C'est vraiment comme ça qu'on construit, qu'on structure. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins difficile en tout cas, d'abord de se confronter à un public avec le stress que ça engendre, avec ce genre de vision. Parce que quoi de plus difficile que d'enchaîner une succession de notes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Jusqu'à la note d'arrivée. Et ensuite... c'est la suite qui reprend. Et ça simplifie les choses parce que d'un coup, on a une structure. On sait jusqu'où on va. Donc, on n'a plus une grande page à jouer, mais une multitude de phrases. Donc, on n'est pas juste en train de faire du note à note, mais de faire des phrases. Et ensuite, chaque phrase a une cohérence et une continuité. Elle s'inclut dans un groupe de phrases. Donc, tout ça, ça clarifie vraiment les choses. Donc, on n'a pas une vue trop général, on voit un mouvement entier, ce serait vraiment très vague, et on n'a pas non plus une vue trop détaillée avec seulement d'une note à note. Donc on est un peu entre les deux. Évidemment, chaque note est importante et l'ensemble doit être cohérent, mais c'est vraiment les phrases qui comptent. Et aller d'une phrase à l'autre, ça permet d'avoir une partie assez importante. En général, ça fait 4 mesures, une phrase. La plupart du temps, des fois, ça en fait plus. Après, c'est à nous aussi de voir, chacun interprétera différemment. Mais c'est vraiment important d'avoir une vision, de savoir quel point on vise. Dans la troisième vidéo, nous verrons une qualité tout aussi importante avec un autre violoniste. Voici la troisième vidéo des 7 qualités du violoniste. La première vidéo abordait un jeu stable et posé, la deuxième un jeu fluide. Ici, nous allons parler d'un autre critère tout aussi déterminant pour les violonistes, et pas seulement. Ensuite, on va essayer de comprendre d'où vient cette qualité et comment nous aussi on peut l'acquérir. Ainsi pour moi, la troisième qualité importante pour tout violoniste, c'est un jeu énergique. Sans vitalité, notre jeu est plat et ennuyeux. Il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, ce qui dilapiderait notre énergie. Mais de focaliser notre énergie pour créer un jeu dynamique. L'énergie ainsi canalisée est très efficace et finalement il n'y a pas besoin d'énormément d'énergie pour créer cet effet d'un jeu passionné. Bien dosée, l'énergie peut être utilisée dans sa globalité, sans être dispersée. Et en focalisant notre énergie dans une seule direction, on obtient un jeu dynamique sans s'épuiser pour autant.
car on ne veut ni d'un jeu mou sans vitalité, mais sans s'épuiser pour autant dès les 15 premières minutes. Pour moi, l'une des personnes qui incarne le mieux ce jeu intense, mais très contrôlé, c'est Hilarion. D'où vient donc son incroyable dynamisme ? Avec elle, on a l'impression d'avancer rapidement, même dans les mouvements lents. Elle me donne l'impression d'être en permanence très active mentalement, contrairement à d'autres violonistes plus intuitifs. Hilarion semble toujours planifier la suite. Elle sait précisément où elle va et s'y engage avec détermination. J'ai rarement entendu un ou une violoniste avec un jeu aussi structuré. Mais comment s'en rapprocher ? Pour créer ce dynamisme en tant qu'interprète, il y a deux choses qui sont déterminantes et qui me semblent flagrantes chez Hilarion. Tout d'abord, c'est son incroyable concentration. Quand elle joue, elle a l'air d'être pleinement immergée dans son jeu. Chaque note semble dosée et mesurée, calculée et planifiée. Et son intensité mentale se reflète dans son jeu et nous emporte dans son interprétation enflammée. Lorsque je l'ai vue en concert pour la première fois, elle jouait la chaconne de Bach et avait une approche très méthodique et une interprétation très romantique. Elle avait une grande pression d'archer, à l'opposé des baroques qui laissent filer l'archer sans le retenir. Et dans la deuxième partie du concert, elle joue toute une série de bis composés pour elle, tous plus virtuoses les uns que les autres. Ça vous donne une idée de l'intensité du concert. Et à la fin, quand les gens ont demandé un bis, elle savait plus trop quoi jouer parce qu'elle avait le choix entre une quarantaine de bis. Et donc elle a demandé à chaque membre de l'audience de voter. Non, je plaisante. Mais imaginez un concert à enchaîner que des bis avant même que l'audience n'applaudisse. Car un bis est par définition en général assez virtuose et assez court et assez intense. C'est une façon de montrer un petit peu ce dont on est capable, sans accompagnement. Et en fait, tout ce récital était pour violon seul. Et évidemment, quand on joue seul, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il n'y a pas le piano ou l'orchestre, pour nous soutenir. Et donc c'est à nous de jouer toutes les notes. Et sachant que le violon est un instrument monophonique, et non polyphonique, comme le piano, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire beaucoup plus de prouesses techniques pour réussir à donner quelque chose avec le violon sans accompagnement. Mais on délie. La deuxième chose pour gagner en dynamisme, c'est d'être très attentif aux trois paramètres du son. Vitesse, pression, point de contact. Sachant que elle est extrêmement attentive à ces trois paramètres. En la voyant jouer, on remarque qu'elle ne quitte presque jamais son point de contact du regard. Pour s'assurer qu'il reste vraiment constant. Parce que si le point de contact varie, ça va donner un son moins égal. Et si on veut créer cette intensité, il va falloir réussir à garder ce point de contact pendant toute la durée du changement d'archer, changement de corde, et toutes ces choses-là. Surtout quand il y a beaucoup d'accords, c'est vraiment important de réussir à le maintenir. Sachant aussi que le point de contact variera d'une corde à l'autre. Et si on est sur la corde sol, le point de contact sera plus bas que sur la corde mi. Et si on est en position, sachant que la corde est rétrécie avec notre doigt, le point de contact sera également plus près du chevalet. Et donc, c'est vraiment quelque chose à doser en permanence, selon ce qu'on joue, si on joue des accords, si on joue sur une seule corde, si on démanche. Et le fait de garder visuellement ce contact, ça lui permet peut-être de vraiment être très consciente de justement toutes ces différences. Si on considère trois points de contact, sachant qu'il y en a une infinité, mais si on considère trois grands points de contact, c'est intéressant de savoir à quel point de contact on va être pour chaque note. Et très souvent, on gardera ce même point de contact. Et c'est intéressant de noter qu'il y a vraiment deux écoles au niveau du point de contact. Ceux qui gardent le contact visuel, comme Yashar Efetz ou Hilarion, et ceux qui ferment les yeux et qui ne le regardent pas, comme Perlman ou Shlomo Mintz, les deux personnes dont on a parlé dans les deux précédentes vidéos.
On note qu'Hilarion utilise également une grande pression d'archer pour plus d'intensité. On observe également que son buste accompagne souvent son archer pour plus de dynamisme, pour créer un élan de l'ensemble du corps et pas seulement du bras. Et quant à la vitesse d'archer, elle a un archer parfois lent et parfois rapide pour s'adapter aux exigences de la composition et pour se trouver dans la bonne partie de l'archer. Mais si tout est important, plus rien ne ressort. Et si tout est intense, on perd vite l'attention de l'audience. Ainsi, elle relâche parfois la pression pour laisser couler la phrase d'elle-même. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre personne avec une autre qualité tout aussi importante. Voici la quatrième vidéo de la série des 7 qualités du violoniste. La première vidéo abordait un jeu stable et posé, la seconde, un jeu fluide, la troisième, un jeu dynamique, et ici, nous allons parler d'une quatrième qualité tout aussi importante et aussi déterminante pour tout violoniste. Puis nous essaierons de comprendre d'où vient cette qualité et ce que nous pouvons faire pour nous aussi l'incorporer. Ainsi, pour moi, la quatrième qualité déterminante pour tout violoniste, c'est un jeu précis. Jouer avec enthousiasme est essentiel, mais cela ne doit pas déboucher sur un manque de précision. Il faut avoir le souci du détail, tout en gardant le recul suffisant pour ne pas négliger la globalité et se perdre dans les détails isolés. Car au violon, tout est important et rien n'est anodin, mais tout doit rester cohérent les uns par rapport aux autres. Pour moi, l'un des violonistes qui incarne le mieux ce jeu précis, c'est Leonid Kogan. D'où vient donc son incroyable précision? Avec lui, on a l'impression d'aller à toute vitesse, sans perdre en clarté pour autant. Un peu à l'image d'un autre violoniste russe, Yasha Heifetz. Qui lui aussi brillait par ses tempi endiablés et son jeu très détaillé. J'ai d'ailleurs hésité à l'utiliser pour cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu plus ces idées, j'ai fait une vidéo comparative entre l'école russe et américaine. Je vous mets le lien dans le descriptif. Mais contrairement à Heifetz, dont le visage reste impassible, Kogan donne l'impression d'être mal à l'aise, avec son visage constipé. Tout en gardant une main gauche souple et posée, ainsi qu'un archer extrêmement léger, et qui file droit comme une flèche. C'est un peu comme si toutes les tensions étaient concentrées sur son visage, pendant que son corps, lui, restait libre. J'ai rarement entendu un ou une violoniste qui avait l'air si à l'aise avec le violon. Il joue comme il respire, avec sa technique très intuitive et très efficace. Mais comment nous aussi s'en rapprocher, pour arriver à un jeu plus précis dans sa globalité? Pour moi, il y a deux choses qui sont déterminantes et qui me semblent flagrantes chez Leonid Kogan. Tout d'abord, le sens du détail. Aucun détail n'est anodin, car la négligence est comme une infection. Si on la laisse se propager, elle devient une maladie. Si on commence à accepter l'inacceptable, comme le manque de précision, le manque d'écoute, le manque de stabilité, on va vite perdre en clarté, car le confort permet la détente. Donc plutôt que de chercher la vitesse ou la brillance, il vaut mieux chercher notre propre confort, car il n'y a pas d'efficacité sans confort. Comme si on était sur un bateau, où on garde notre équilibre pour ne pas tomber dans l'eau. C'est surtout l'archer qui va vraiment essayer de garder son équilibre. Dans tous les cas, on va vraiment trouver ce confort intérieur pour trouver ce confort extérieur. Le geste est plus important que la note, et l'intention plus importante que le résultat. Et c'est
avec cette approche qu'on gagnera progressivement en clarté sans stresser pour autant. Ce qui nous conduit au deuxième point essentiel pour gagner en précision. Et c'est de cultiver une écoute impartiale. Quand on joue, c'est comme si on écoutait une autre personne. On l'écoute avec bienveillance, mais avec intransigeance. Quand on joue, on ne se juge pas, mais on constate les faits et on adapte nos actions aussi vite que possible si besoin. Car même en étant détendu et stable, si on n'écoute pas vraiment ce qu'on produit, on va vite laisser les choses se détériorer et perdre en qualité. Mais en gardant une écoute attentive et neutre, on est dans les meilleures conditions pour aller vers un jeu plus sincère et plus authentique. Car au final, on ne cherche pas à impressionner, ni à briller, mais à révéler ce qui est déjà en nous. Le violon n'est qu'un outil d'introspection, et la musique n'est qu'un prétexte pour partager notre propre vérité. Et c'est pourquoi il n'y a pas de violoniste sur la planète qui joue de la même manière. Et si toutes ces histoires d'introspection et de vérité et de sincérité vous paraissent un petit peu abstraites, sachez que c'est pourtant les clés pour progresser plus vite au violon. Je me rappelle d'un récital où je devais jouer plusieurs pièces pour violon seul, en première partie, Bach, Isaïe, Paganini, et je n'étais pas trop à l'aise face à ce répertoire ambitieux. Et je m'en rappelle très bien, au dernier cours, mon professeur m'a seulement fait travailler mon entrée sur scène. Comment saluer, en restant bien 3 secondes baissé, avoir cette ouverture, cette respiration, ce maintien, ce sourire, tout ça, en fait, il travaillait plus sur vraiment mon attitude, plus que les détails de la partition que j'avais beaucoup travaillé avant. Étant trop focalisé sur la pièce et pas assez sur ce que je voulais donner, sur la vision que j'avais, sur la globalité, je m'empêchais finalement d'être beaucoup plus sincère. Et donc je me perdais dans des nuées de détails pas si déterminants et je m'empêchais finalement d'avoir une vision cohérente. Et finalement grâce à ça, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et à être beaucoup plus conscient de la globalité. Je ne cherchais plus à prouver mais simplement à révéler. Je ne cherchais plus à survivre mais simplement à exister. D'un coup, tout ce qui me semblait insurmontable était devenu beaucoup plus naturel. Et même si l'état d'esprit ne remplace pas le travail, bien sûr, si j'avais pas fait tout ce travail en amont, tout cela aurait été sans intérêt, mais mettre les fondations en place avec cet état d'esprit est beaucoup plus efficace et beaucoup plus plaisant. Et si on a fait notre travail au préalable, c'est plus dans l'état d'esprit qu'il faut aller chercher que dans les choses purement techniques. Et finalement, au récital, j'ai enfin pris du plaisir à jouer ce programme. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une qualité tout aussi déterminante avec un autre violoniste. Et on poursuit avec cette série des 7 qualités du violoniste. Précédemment, nous avions vu les 4 premières qualités, un jeu stable et posé, un jeu fluide, un jeu dynamique et un jeu précis. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un 5e critère tout aussi déterminant pour les violonistes et tous les musiciens en général. Puis nous essaierons de comprendre d'où vient cette qualité et ce que nous pouvons faire pour nous aussi l'incorporer. Ainsi, pour moi, la 5e qualité essentielle, c'est un jeu timbré. Le son, c'est la base. Sans un timbre sonore riche et profond, notre prestation sera terne et ennuyeuse. Car c'est avant tout le son que tout le monde retient bien plus que notre audace ou notre musicalité. Pour moi, l'un des violonistes qui représente le mieux ce timbre sonore absolument magnifique, c'est un violoniste que j'ai découvert cette année, et dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Il s'agit du violoniste italien Uto Ughi. En l'écoutant, j'étais si impressionné par son timbre sonore riche et profond que j'ai décidé de faire une vidéo sur les violonistes injustement restés dans l'ombre. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans le descriptif. Uto Ughi a un jeu si coloré, chaleureux et lumineux qu'en l'écoutant, on entend le soleil de l'Italie. Donc pour ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, écoutez quelques-uns de ces enregistrements pour vous dépayser. Mais comment nous aussi nous rapprocher de ce timbre fruité et inoubliable? Faut-il acheter un Stradivarius? Et dont le montant devrait atteindre les 45 millions de dollars. Ce prix, c'est celui de l'excellence, mais aussi de la rareté. Ou est-ce qu'un Guarnierus del Jésus suffira? Outre sa date de fabrication, donc en 1708 à Crémone en Italie. Faut-il investir dans un archer d'exception? Signé Dominique Pécat, 1845, cet archer est mis à prix 40 000 euros. Ou fermer les yeux quand on joue? Pour moi, il y a deux choses qui vont vraiment être déterminantes
pour améliorer notre timbre sonore et qui me semble flagrante chez Uto Uigi. Tout d'abord, c'est la souplesse de son poignet droit. Avec son index qui se déroule au talon, on a l'impression qu'il jette son archet dans un sens puis dans l'autre, sans jamais l'arrêter. Et c'est cet élan qui permet justement cet enthousiasme. Parce que si on y regarde de plus près, son point de contact n'est pas très stable, avec son archet qui n'est pas trop parallèle au chevalet. Et malgré tout, il a cette magnifique sonorité grâce à cet élan d'archet et à ce contrôle, cette souplesse, cette fluidité, cette flexibilité. Et tout cela, bien sûr, contribue grandement à son timbre sonore riche et profond. On peut avoir cet élan, donc ce timbre sonore enrichi et approfondi, en ayant justement cette détente, cette liberté de la main droite, qui indirectement détendra notre main gauche. Si on veut une égalité entre les quatre cordes, parce qu'on veut que les quatre cordes sonnent aussi également les unes que les autres, même s'il y aura toujours des différences de couleur, j'en parle souvent dans mes formations, le fait de changer de corde, ça change de couleur inévitablement, mais on veut quand même essayer d'amoindrir cette différence au niveau du volume, même si on ne changera pas le niveau de la couleur. Et quand on joue fort au piano, c'est la même attitude. En train d'agripper l'archet et que l'archet reste libre dans notre main et qu'il vibre dans notre main, qu'on n'est pas en train de l'empêcher de vibrer et donc qu'on n'est pas en train de l'empêcher de s'exprimer. Si on commence à se crisper, on va perdre le contrôle et notre archet quittera la corde et donc on n'aura plus cette égalité entre le tirer et le pousser. Il faut vraiment que ce soit aussi homogène et legato que possible. Ensuite, si on va marteler, si on veut un détaché, un staccato, un spiccato, tout ça, dans ce cas-là, on va le décider. Mais il faut déjà être capable, à la base, et c'est vraiment la base, de pouvoir jouer aussi legato que possible, quelle que soit la corde, quelle que soit la position, quel que soit le coup d'archet. Et ça, on ne réussira jamais à y arriver si on n'a pas justement cette détente et ce contrôle au niveau de la main droite, et donc ce lâcher prise. Ce qui nous amène à la deuxième chose, c'est son incroyable lâcher prise. Quand on le voit jouer, on remarque à quel point il est totalement immergé dans la musique qu'il interprète. Son trot plein d'audace est très communicatif, il nous montre bien à quel point c'est pas juste ses bras qui jouent du violon, mais c'est l'ensemble de son corps qui est impliqué dans une même direction. Et quand il joue, il n'est vraiment plus dans l'analyse, mais dans un ressenti. Et c'est son jeu presque charnel, bien plus que cérébral, qui donne son timbre si vibrant, si vivant et si sincère. C'était en 2010, aux États-Unis, je m'en rappelle encore, et je voyais le masterclass avec Aaron Rosand, qui avait déjà 83 ans, et qui marchait de façon très voûtée, qui était incapable de se tenir droit, parce qu'il avait beaucoup de soucis au niveau de son dos. Et ce qui m'a frappé, c'est quand il jouait, ça s'entendait pas du tout. On avait ce son pur et plein, à ce moment, j'ai compris à quel point un jeu efficace ne nécessite aucune force physique. Parce que face à ces jeunes virtuoses dynamiques, dans la force de l'âge, malgré tout, il n'y avait pas photo au niveau du son, au niveau de la projection, et on ne peut pas remettre ça sur le compte du violon, parce que son magnifique Guarnier russe d'El Jésus venait d'être vendu à un collectionneur russe pour 10 millions de dollars. Et donc là, il jouait sur un violon qui était évidemment un bon violon, mais qui n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre qualité tout aussi importante et aussi déterminante chez un autre violoniste. Et on poursuit avec la sixième qualité du violoniste. Précédemment, nous parlions d'un jeu stable et posé, d'un jeu fluide, énergique, précis, timbré. Et dans cette vidéo, nous allons aborder une autre qualité tout aussi déterminante pour une prestation mémorable et intéressante. Et nous verrons ensuite ce que nous pouvons faire pour l'incorporer dans notre jeu. Ainsi, pour moi, l'une des qualités essentielles à cultiver dans notre pratique quotidienne, c'est un jeu audacieux. Une fois la sonorité en place, il faut oser expérimenter certains doigtés risqués et certains coups d'archet peu traditionnels. C'est plus amusant et plus rafraîchissant comme approche. S'en tenir à la tradition n'a pas grand intérêt. Et pour vous montrer à quel point je suis prêt à prendre des risques inconsidérés, je suis même allé jusqu'à changer la couleur de ma chemise. A vous de me dire dans les commentaires quelle couleur vous préférez. Expérimenter demande du courage, surtout quand on est face à un public. Mais c'est le prix à payer pour donner une dimension supplémentaire à notre prestation.
notre vulnérabilité nous rend plus accessibles, plus humains, plus sincères, plus authentiques. Car le rôle de tout artiste, c'est de partager sa propre vérité ouvertement, et non de se cacher derrière son instrument. Facile à dire, me diriez-vous, mais en pratiquant cette approche, ça deviendra de plus en plus naturel, et de moins en moins intimidant. Et pour moi, l'un des violonistes qui incarne le mieux ce jeu audacieux, c'est Guil Charme. Avec lui, on a l'impression qu'il improvise sur scène. Il improvise les coups d'archet. Il improvise les doigtés. Et rajoute même parfois des notes qui ne sont pas écrites dans la partition. Et cela donne une interprétation rafraîchissante. Alors non, il ne fait probablement pas ce genre de choses dans le concerto Brahms, mais malgré tout, garde cet état d'esprit non figé et ouvert aux différentes possibilités. Et pour moi, il y a deux choses qui vont nous permettre d'accéder à un jeu plus audacieux, qui sont flagrantes chez Guil Charme. La première, c'est d'oser expérimenter avec différents doigtés. Jouer tout un passage dans différentes positions est intéressant pour découvrir de différentes couleurs. Chaque corde a sa propre couleur très différente. Si on reste en première position, ce ne sera pas du tout pareil que... On a plus de lumière sur les cordes si on reste en position par rapport à si on monte, et on aura un timbre moins chaleureux peut-être. Et on aura quelque chose de plus démonstratif grâce à la glissade. Par rapport à... Ou là, on casse un peu la phrase. Après, on peut rester en seconde position. Et on peut également expérimenter avec le coup d'archet. On peut faire ça ou... On peut rester en troisième. On peut directement monter en position avant. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour un phrasé qui sera totalement différent. Juste en changeant les coups d'archet et les doigtés, ça changera notre phrasé. Car cela affectera nos liaisons et donc notre articulation. Ainsi, non seulement on voit les choses sous un autre angle, mais en plus on comprend pourquoi on préfère certains coups d'archet et certains doigtés, selon notre morphologie et selon nos goûts. C'est très constructif comme approche de ne pas se contenter de faire ce qui est écrit, mais d'expérimenter et de voir ce que nous, on a vraiment envie de faire avec cette partition. Parce qu'une partition n'est pas vivante en soi, c'est juste un bout de papier. Après, c'est ce que nous, on en fait, qui va lui donner vie. Et chacun lui donnera vie à sa manière. J'ai eu l'occasion de voir Guil Charme en répétition à plusieurs reprises, et à chaque fois, c'était la même impression. Sa recherche d'authenticité plutôt que de son désir de performer. Il ne cherchait pas à briller, mais à rester sincère. Et même si parfois, au petit matin, il manquait parfois un petit peu de précision, rapidement il retrouvait ses empreintes et redonnait un jeu éclatant et bien dosé. Et cette transformation intérieure était à chaque fois très émouvante à voir. Ce qui nous conduit à la deuxième chose pour aller vers un jeu plus audacieux. Et c'est d'expérimenter avec le phrasé. Expérimenter techniquement n'a pas grand intérêt, si ce n'est pas au service de la musique. L'objectif n'est pas juste d'être capable de faire les choses différemment, même si c'est déjà un accomplissement en soi, mais aussi à tester différentes approches, différentes interprétations, plutôt que de tenter de reproduire ce qu'on a entendu un petit peu partout. Et pas besoin de changer nos coups d'archet et nos doigtés pour cela. On peut juste changer notre articulation sans changer le coup d'archet, et changer notre vibrato, changer notre inclinaison de doigt, changer notre timbre sonore sans changer forcément le doigté. Car pratiquer, c'est dire non à tout ce qui ne correspond pas à notre vision du moment, qui évoluera sans cesse. Dans la prochaine et dernière vidéo de la série, nous verrons une autre qualité essentielle avec un autre violoniste. Voici la 7e et dernière vidéo de la série des 7 qualités du violoniste. Précédemment, nous parlions d'un jeu stable et posé, fluide, énergique, précis, timbré,
et audacieux. Dans cette vidéo, nous allons aborder une autre qualité tout aussi indispensable pour jouer au meilleur de nos capacités. Puis nous verrons comment l'incorporer dans notre jeu pour qu'elle devienne une partie de notre identité. Ainsi, lorsque la douane vous demandera de justifier votre identité, vous aurez beaucoup à leur dire. Ainsi, pour moi, la septième qualité essentielle à cultiver dans la pratique quotidienne de notre violon, c'est un jeu sincère. Apprendre à s'effacer vis-à-vis de la musique que l'on joue nous rendra plus honnête vis-à-vis de notre interprétation. Pour exister sur scène et pas seulement se contenter de survivre, il ne faut pas être dans la performance et la démonstration, mais plutôt dans l'authenticité et la sincérité. Et pour moi, l'un des violonistes qui incarne le mieux ce jeu sincère, vous ne devinerez jamais de qui il s'agit, sauf si vous avez vu la couverture de la vidéo. Et il s'agit bien du violoniste belge Arthur Grumiaux. Avec cette sincérité, il avait des idées très tranchées. Il disait par exemple, quand on joue avec d'autres musiciens, c'est bon ou ça ne l'est pas, tout de suite. Ce n'est pas en travaillant des années que cela ira mieux. Il n'aimait pas discuter, il était très intuitif, très instinctif, et c'est ce qui rendait son jeu si vrai. Il ne cherchait pas à briller, et ainsi briller d'autant plus, en ne cherchant pas à attirer l'attention. C'est devenu rare cette simplicité, cette modestie, cette humilité, cette sensibilité à fleur de peau, qui ne cherche pas l'éclat, mais veut simplement émouvoir. Et il avait le sens du détail, disant également « La nature est grande dans les grandes choses, mais elle l'est encore plus dans les petites choses. » Et ce qui me touche avec Grumiaux, c'est justement qu'il est attentif aux moindres détails, aussi insignifiant soit-il, car tout est important et rien n'est anodin, surtout au violon. Et c'est son raffinement extrême dans les plus petites nuances, dans les teintes les plus délicates, et les subtilités les plus légères, se mettant ainsi en position de vulnérabilité, sans perdre en stabilité et devenir fragile pour autant. Et comme il disait, rien n'est plus difficile que d'être simple. D'une grande franchise, il avait un jeu très direct et s'élevait contre la superficialité factice, qui cherche l'effet plus que la vérité. Il obtenait ainsi un jeu gracieux et ouvert. Il ne se cachait jamais derrière sa virtuosité et disait d'ailleurs « Le violoniste possède sa propre personnalité et doit la garder ». C'est ce qui compte le plus. Il voulait la transparence avant tout. Et en le voyant jouer, on remarque que ses épaules et son torse sont très ouverts, un peu à l'image de David Oistrakh. Pour produire une sonorité pleine et pure, on a l'impression qu'il laisse la corde rouler sous l'écrin, pour ne jamais bloquer le son. Avec son poignet très souple, qui permet des changements de cordes et des changements d'archet quasiment inaudibles. Où qu'on soit dans l'archet, et où qu'on soit sur la corde, c'est toujours en fait le poignet qui s'adapte, ce qui nous permet justement d'avoir une égalité, qu'on soit à la pointe ou au talon, sur une corde ou sur une autre, on ne veut pas vraiment que le public le sache. Donc si on décide de démancher plutôt que de changer de corde, ou si on décide d'être à la pointe plutôt que d'être au talon, ça changera les nuances, ça changera la couleur, mais ça ne doit pas changer l'articulation. Pareil, là, c'est vraiment d'avoir cet équilibre de main pour justement, encore une fois, garder cette stabilité et cette homogénéité. Donc c'est le poignet et c'est les mains. Parce que si on a les doigts, enfin la main trop inclinée vers l'index, ben finalement on sera plutôt à l'aise à la pointe et beaucoup moins au talon. Donc on se limitera au niveau de nos choix. On sera un peu plus obligé de jouer dans la moitié supérieure. Et on sera un peu moins capable de jouer avec aisance dans la moitié inférieure. Là c'est pareil. Si le pouce, il n'est pas mobile,
C'est ce que disait souvent Arthur Grumieux, il parlait de la mobilité du pouce, en plus que de parler du poignet, du couler du poignet, comme une vague, qui permet beaucoup plus de contrôle, de maîtrise, sans avoir besoin de serrer l'archer, sans avoir besoin de l'agripper, ce qui permet à l'archer de résonner, de vibrer, et donc à la sonorité d'être beaucoup plus naturelle et beaucoup plus chaleureuse et généreuse. Ça va aussi aider à l'égalité entre les deux cordes. Parce que si on fait des doubles cordes, ou encore plus des accords avec 3 ou 4 notes, on a facilement cette tendance à jouer plus une corde que l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a envie. On a envie que la corde grave soit plus jouée que la corde aiguë. Mais on ne veut pas que ça s'entende. Justement, c'est pour équilibrer. Donc nous, on fait ça. Mais le public, il entend deux cordes égales. Si on joue plus la mélodie, la corde aiguë, qui naturellement sonne plus parce que c'est une corde aiguë, eh bien, ça va déséquilibrer l'accord. Rien n'est serré dans son jeu, tout respire, tout vibre, tout est vivant. Il n'y a aucun frein, aucun blocage, ce qui lui donne un élan, une espèce d'ininterruption et une fluidité assez intéressante. Et finalement, cette approche enlève beaucoup de pression de notre prestation, car nous n'essayons plus de plaire, sachant qu'il est impossible de plaire à tout le monde, mais simplement d'être sincère. On ne cherche plus à impressionner, mais simplement à faire rêver. Et finalement, on ne part plus à la conquête du public, mais à la conquête de nous-mêmes. Et si ce genre d'idée vous intéresse, rejoignez mes abonnés privés pour recevoir par mail des conseils inédits et inspirants sur le violon. Un contenu top secret à ne partager avec personne, pas même votre animal de compagnie. Cliquez le lien « Abonné privé » dissimulé dans le descriptif pour nous rejoindre. Mais surtout, que ça reste entre nous. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et si vous n'avez pas aimé cette série des 7 qualités du violoniste, soyez heureux car c'était la dernière vidéo. La semaine prochaine, on part sur un nouveau format encore plus dingue. Quant à nous, on se retrouve de l'autre côté, chez les abonnés privés.